Hello my love, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien. Oh, je vais bien. J'ai dit que sortez. Oh, c'est gâté. C'est Jensen même. Ouais, sur les réseaux sociaux, là, c'est gâté. Et Lopacha sort enfin de son silence. Sort de son silence. Pour ceux qui ne savent pas, sur les réseaux sociaux, là, c'est gâté. C'est Jensen même. C'est Jensen, c'est gâté. Parce que, il y en a qui disent. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux disent que Raphna ressemble à Elou Pacha. Donc en gros, Carmen aurait trompé Arafat, le feu Arafat, le feu Didier Arafat avec son ami, son meilleur ami Elou Pacha. Donc, pour eux, Raphna est la fille biologique de Elou Pacha. Et Elou Pacha en fait sort de son silence enfin pour venir dire ses loups vérités, ses vérités à ces personnes-là qui l'attaquent, qui disent que lui, il est le papa biologique de la petite. Je vous dis que c'est gâté, oh, c'est gâté. Ah, ouais, c'est gâté. Donc, les amis, je vais vous laisser regarder et écouter cette vidéo. Mais avant ça, je vous fais pause publicité de mes perruques. Je vais mettre en fait une vidéo ici de mes perruques que je vends. Et aussi mon numéro, je mets là. Pour celles qui sont intéressées, contactez-moi sur WhatsApp. Oui, contactez-moi. Et même les perruques que je vais mettre là, c'est pas seulement les perruques en fait que j'ai mis là. C'est parce que pour ne pas que la vidéo va être trop longue en fait. C'est pour ça que j'ai mis que des. J'ai pas mis tous les perruques en fait. Donc, contactez-moi pour vos magnifiques perruques, vos chic, 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 chic perruques. En tout cas, et on va continuer. Regardez un peu la vidéo de Hello Pacha jusqu'à la fin. C'est du loup. Je vous dis que c'est du loup. Voici, c'est l'enfant d'Arafat. Mais pourquoi toi-même tu quittes poste aux États-Unis pour venir à Abidjan pour faire ça? À chaque moment, tu es là-bas, tes amis viennent à Abidjan pour s'amuser, pour repartir. Mais toi, tu ne peux pas venir à Abidjan parce que tu sais. Tu sais. Tu es caché quelque part. Dans ta petite maison, en train d'insulter les gens. Toi-même, tu es là, tu parles des gens là. Et toi-même, tu te vois. Est-ce que toi-même là, tu te regardes? Tu as le même visage d'un petit Saint-Jean. C'est-à-dire, tu ressembles à un gorille. Mais c'est des gens qui parlent, tu insultes les gens. Tu n'es personne même, Bob Lee. Je voulais souligner quelque chose sans parler. En Afrique, quand tu as vécu avec quelqu'un dans la même maison, c'est devant mon Raph l'aîné, j'étais chez son papa. Il m'a dit, bon, ok, Arafat c'est mon meilleur ami. Donc il a dit, Raphna c'est ma fille. Parce qu'en Afrique, c'est comme ça. Les gens ont interprété, ils ont pris ça en mal. Raphna n'est pas ma fille. Je vous répète, Raphna n'est pas ma fille. C'est la fille de mon ami qui n'est plus. Et quand vous faites ça fait très mal. Moi, ça me fait très mal parce que c'est un garçon, il assume. Mais ça fait mal. Et c'est ma photo, la photo de la petite. Vous allez prendre faire des débats sur les réseaux sociaux. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Le jour où il a fait la vidéo, puis il a dit non, Raphna, c'est ma fille. On est en Afrique, là. Quand tu as vécu avec le papa, ils étaient ensemble, tu étais son meilleur ami. Ça arrive. Après, il dit non, hey, attends. Y, c'est ma fille. C'est pas parce qu'il a dit non, c'est ma fille. Ça devient ma fille, en réalité, jamais, c'est impossible. Le seul truc que je peux dire, je demande pardon à Kamel Sama. Je m'excuse pour ce qu'il a dit, si c'est en bien ou en mal. Je m'excuse. Et elle doit être forte. Elle doit être forte. Faut même pas, elle va répondre à quelqu'un, parce qu'ils sont très chez ta bouche. De deux, faut être forte dans la tête. Parce que c'est pas facile. La petite est encore petite. Elle va grandir, ce genre de trucs-là se passe, et puis, c'est pas bon. Je vous dis d'arrêter. Arrêtez ce genre de trucs. Bobli,
Tu n'es pas encore sage, tu as encore un enfant dans la tête. De un, tu ne vaux rien. De deux, tu as peur de venir à Abidjan. Parce que toi, mais tu sais, tes amis viennent à Abidjan. Toi, tu restes là-bas pour insulter les gens. Tu n'as pas qu'à de venir à Abidjan. Et si tu es trop fâché, là, tu parles avec tes ADN. Viens à Abidjan. Et puis, on va aller faire tes ADN. Et je vous répète encore, Rafna n'est pas ma fille. Rafna n'est pas ma fille. C'est la fille de mon meilleur ami. Nous, chez nous, là, regardez-moi bien. Hein. Vous appelez quoi amitié? Moi, chez moi, là, au Lopatia, là, j'étais prêt pour mon ami quand demain matin. Toutes les go, toutes les femmes d'Arafat, avec qui la femme enfant, ont parlé de moi. Il n'y a pas causerie. Même la maman de Rafna, elle sait qu'il n'y avait pas causerie. C'était chien et chat dans la maison. On ne se parlait même pas, mais elle était dans la maison. On ne causait même pas. Elle sait. Et elle dit, Rafna, tu es ma fille. Un jour, Arafat a eu des bobos avec sa maman. Sur les trucs que j'ai pas envie de raconter, mais elle préfère un peu. Il a eu des bobos, elle, la maman de Rafna. Et pour les, on les a séparés. Et puis, il dit, non, elle a qu'à entrer un peu en famille. Et il voulait la frapper, tout et tout. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée. La fille est restée, il a bloqué la fille. Et puis, dans ça, il dit, normalement, la fille devait partir avec sa maman. Mais quand tu l'as bloqué, tu as donné à tété, c'est devenu pas là. Il a commencé à me chuter de sortir de sa maison. J'ai dit, ok, mais ça, il m'a arrêté dehors. Après, il m'appelle, il dit, non, bébé a chié, il ne sait pas comment. Il dit, mais c'est la bloquer là. Il faut prendre. Tu parles de toi, tu m'appelles là, c'est pourquoi. Et comme elle était en boule, il a mis Rafna dans ma main. Il dit, non, hein, c'est pas moi, c'est ma fille, c'est ta fille aussi. Attaque fraisseur. Où le problème, tu es dedans. Jusque on prend le nom de la fille, la petite, pour gratter le nom de sa maman. Mais arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Je demande pardon à Kamel pour tout ce qui... ils sont en train de faire et d'être fortes dans la tête. Sinon, c'est pas facile. Non, pas assumer. On peut gâter notre nom. Mais toi, non. Donc, ceux qui sont en train de raconter des choses sur les réseaux sociaux, et je vous répète encore, Rafna n'est pas ma fille. Quand c'est comme ça, est-ce que le gars en question peut se reposer en paix? Parce que vous êtes en train de gâter le nom de sa fille. Vous êtes en train de parler de sa fille. Elle est encore petite. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Laissez le nom de la petite. Laissez le nom de la petite. Je vous demande pardon. Laissez le nom de la petite. Elle est encore petite. Elle ne sait même pas que son père est décédé. Elle ne sait pas. Ça fait pitié. Elle ne sait même pas que son papa est décédé. La petite, elle est encore bébé. Je vous demande pardon d'arrêter. Pour tous ceux qui sont en train de faire des vidéos, faire des collages, arrêtez. Parce que où ça va là, c'est pas bon. C'est pas bon. Rafna n'est pas ma fille. Je ne sors pas avec les amis de mes amis.
Je ne sors pas avec les femmes de mes amis. Je ne sors pas avec les femmes de mes amis. C'est impossible. Nous, chez nous, ça ne se fait pas. Donc, Rafna, ce n'est pas ma fille. Quand Kamel était enceinte, c'était chien et chat. On ne causait pas. Elle ne me supportait pas. On ne se parlait même pas. Donc, Rafna, ce n'est pas ma fille. Arrêtez de dire Rafna, c'est ma fille. C'est la fille de mon frère, ça. C'est la fille de mon meilleur ami. C'est la fille de mon bras. Tu n'es plus. Quand ça fait, quand vous faites ça, ça joue sur nous. Je demande pardon aussi à la maman d'Arafat. Je demande pardon à la maman d'Arafat parce que c'est une femme forte aussi. La dernière fois, je l'ai appelée. Il a dit, maman, non, laissons tout tomber. Les querelles, tout et tout. Laissons tomber. Je demande pardon aussi à Kamel Sama de laisser tout tomber. Les querelles qui entre nous. On doit être unis ensemble. C'est une famille. On ne doit pas être divisé. Je demande pardon à la Yorogan, à Mémé depuis le state. On doit être unis, être ensemble pour avancer. Dis à M. Bob Lee, il n'a qu'à appeler sa propre maman. Sa maman n'a qu'à l'appeler pour demander s'il a fait test d'ADN. Si sa maman, est-ce que son papa tient, son papa tient là, là? Est-ce que c'est son vrai papa? Bob Lee, appelle ta maman, tu dis, maman, je vais faire test d'ADN pour voir si ce dernier, le monsieur que tu m'as mis au monde, si vraiment c'est mon papa. Avant de parler des gens. De un, tu es un vieux, tu n'es pas sage. De deux, tu vaux rien. De trois, ta bouche là, c'est sur les réseaux sociaux. De quatre, tu n'es personne. De cinq, tu es vilain. C'est toi, tu parles des gens. De quatre, de six, on doit t'appeler un petit gorille. Parce que tu ressembles à gorille même. Tu es vilain, c'est toi, tu parles des gens, tu dis, eux, ils sont vilains. Mais c'est un bel homme. Oui, il n'y a pas quitte. Si c'est derrière, qui n'a pas quitte? Si on nous met nous deux là, mais si joli que toi. Tu es vilain. C'est toi, tu parles de la vie des gens. Tu sais combien de personnes que ta mère est sortie? Et puis, ils t'ont mis au monde. Tu sais combien de personnes que ta maman est sortie et puis ils t'ont mis au monde, Bob Lee. Tu sais combien de personnes ta maman est sortie et puis ils t'ont mis au monde. Hein? Peut-être le père même tu t'es levé quand tu es parti au stade. Aujourd'hui tu es en train d'insulter les gens. Peut-être c'est pas ton papa. Donc, appelle ta maman pour dire, maman, j'ai fait test d'ADN pour voir si ce dernier-là, c'est mon papa. Je répète encore, ça doit entrer dans tes oreilles. Tu sais combien de personnes que ta mère soutient eux, tu sais combien de